Qu'est-ce que vous allez mettre en place avec cette nouvelle mesure ? Alors, la loi égalité réelle outre-mer, que certains disaient ne pas pouvoir voir le jour, va voir le jour. Donc, elle a été présentée en Conseil des ministres avec trois aspects. Le premier aspect, c'est pouvoir construire avec les territoires des contrats nouveaux pour que nous puissions être dans une nouvelle dynamique de développement économique et social. Et puis, un aspect social, parce que nous tenons à continuer à travailler sur l'égalité sociale, parce qu'il y a vraiment une disparité aujourd'hui sur beaucoup de territoires entre certaines prestations sociales. Et nous devons absolument régler le problème du développement humain et être dans cette convergence du développement humain, parce qu'il n'y aura pas de développement économique si nous n'avançons pas sur le problème de pauvreté des familles. Et puis, différentes mesures économiques. Mais ce que je souhaite dire aux uns et aux autres, c'est que nous sommes dans une première phase et que maintenant, nous allons rentrer dans une deuxième phase où la loi va être amendée par le gouvernement et par les sénateurs et les députés des Outre-mer, mais aussi de l'ensemble des assemblées. Donc le travail parlementaire commence. C'est une loi qui est aujourd'hui écrite telle qu'elle est, mais qui va être largement enrichie. Alors le problème des réunionnais, vous le connaissez bien, hein, c'est l'emploi d'une part, le pouvoir d'achat d'une seconde part, la vie chère. Est-ce que vous comptez revaloriser les retraites des réunionnais ? Nous sommes en train de travailler sur différentes mesures, lesquelles il y aura... Nous sommes en train de réfléchir des mesures autour du problème de pauvreté. Je vous l'ai dit, donc c'est un vrai sujet pour nous. Et concernant des mesures comme les impôts indirects que payent les Réunionnais, comme l'octroi de mer, hein, parce que les gens à La Réunion ont effectivement un abattement de 30% sur les impôts, mais peu de gens payent des impôts finalement vu leur niveau de vie. Est-ce qu'il va y avoir une évolution là-dessus dans les années à venir, dans les mois à venir ? Écoutez, nous sommes en phase de travail, donc nous avançons et au fur et à mesure que les sujets seront ficelés, consolidés, nous pourrons être dans une communication plus fine avec vous. Merci. Merci.